bien, il s'agit de la célébration des cérémonies du 14 juillet à Pau. C'est la fête de l'année. Il faut imaginer le cadre d'abord. La place de Verdun, avec ses habituelles centaines de voitures, débarrassées complètement depuis plusieurs jours, donc place nette devant la grande caserne. Depuis 8 jours, on a installé les gradins, 2 sortes de gradins. Ceux qui ont un dé pour les vraies personnalités et à côté, les gradins qui n'ont pas de dé. Qu'est-ce que c'est un dé ? Un dé, D-A-I-S. Un dé, une couverture, un toit, une toiture. Et donc voilà, tout le monde commence à arriver. On regarde la grande place. Au centre, les militaires ont dressé un immense drapeau au sommet d'un mât de 6 ou 7 mètres, un immense drapeau français. Sur les 4 côtés, il y a du monde. D'abord, celui des gradins, côté des gradins. Ensuite, à 90 degrés, tous les pompiers qui sont là, sur 200 mètres de front, avec leurs engins. Puis, 90 degrés, face au gradin, tous les militaires, les jeunes militaires, les jeunes recrues, qui vont recevoir leur fourragère. La fourragère. Tu sais, la fourragère. On leur remet solennellement la fourragère à la fin de leur classe. 90 degrés encore, toutes les représentations des militaires qui travaillent à Pau et même au-delà, en grand uniforme, hommes et femmes, puisque c'est mixte maintenant. Oui. Et enfin, tout à fait au bout de tous ces militaires-là, un passage, c'est la voie d'accès pour la Grand Place. C'est par là que vont arriver les autorités. Tout a été dégagé, tout le long, rue d'Orléans, qui a été dégagée, on la voit au loin, pas une voiture, ni à gauche, ni à droite, à chaque carrefour, des gardiens de la paix en grande tenue, qui attendent les autorités. Première autorité au singulier, le colonel qui commande la place. Il arrive sur son command car, c'est comme ça qu'ils appellent, c'est une Jeep. Il est debout, ganté de blanc, derrière lui son ordonnance. De la main gauche, il tient une barre pour ne pas tomber. Et de la main droite, il va saluer les autorités déjà présentes. Donc l'instant est un peu solennel. Il arrive, la Jeep se met face aux autorités qui se lèvent. Le colonel salue toutes les autorités. Puis il va vers le drapeau, et là, on hisse les couleurs, après les sonneries réglementaires. Donc l'instant est vraiment solennel. Et puis, une fois ensuite, il fait tout le tour du quadrilatère, au fur et à mesure, il salue tous les drapeaux, tous les fanions, tout le monde le salue, et puis il vient s'installer au milieu des autorités, sur les gradins. On attend maintenant les vraies autorités, dont on sait qu'elles sont en train de se préparer dans la cour de la préfecture. Elles vont monter dans 2 voitures officielles. La première transporte le préfet et son directeur de cabinet, tous les 2 en grande tenue. Et derrière, la seconde voiture, chauffeur en livrée, ou au moins en uniforme, transporte le maire de Pau. Bientôt, on va ouvrir les grilles de la préfecture. 3 minutes avant le début officiel des cérémonies sur la place de Verdun, et le cortège va emprunter toujours le même itinéraire, précédé de 2 motards qui actionnent leur feu bleu. C'est ça le rituel à Pau. Alors, on imagine que l'instant approche. Les radios des gardiens de la paix qui sont postés à tous les carrefours pour faire passer le cortège commencent à grésiller.
L'instant est solennel. Les derniers invités arrivent pour prendre leur place sur les gradins, accueillis au début de la place, là-bas, tout à fait dans le coin, par l'officier de liaison en grande tenue. C'est un capitaine, 35 ans, magnifique. Alors arrive un colonel, capitaine le salue, mes respects mon colonel, installez-vous. Arrive un commandant, mes respects mon commandant. Arrive un officier de son grade, capitaine comme lui. Bonjour capitaine, comment vas-tu? Arrive un autre, ah c'est toi, installe-toi, comment vas-tu? On s'en fout, mais enfin bon, oui ça va bien, tout le monde s'installe. Et puis, on sent quand même que les choses vont maintenant se préciser. Un premier frémissement. Les voitures officielles, dit-on dans les radios que reçoivent les gardiens de la paix, ont quitté la préfecture. Dans 3 minutes, elles seront là. Donc, le frémissement est net. On le sent de toutes parts. Bientôt, tout le monde se lèvera. On commence à entendre les premiers sifflets des gardiens de la paix, au loin, qui bloquent la circulation pour que le cortège puisse passer. Et là, tout d'un coup, du fin fond de la rue, où doit normalement arriver le cortège du préfet et du maire de Pau, du tout fin fond de la rue, complètement dégagé, on voit arriver une petite silhouette qui se précise, et qui arrive sur le quadrilatère de la place de Verdun. C'est un vélo d'homme. Sur ce vélo, un petit type, 50 ans, un peu gringalé, costard-cravate, qui pédale très dignement. Sur l'arrière du vélo, une petite caisse. Tu sais, de ces petites caisses où les papis qui font leur promenade du matin mettent le petit chien, le kiki, pour lui faire un petit tour. Et il a, au bas de des jambes des pantalons, des pinces. Il arrive donc, comme ça, très sérieux. Il prend toute l'enfilade, il passe devant les autorités, qu'il salue militairement, sur toute la longueur. On commence à entendre les dites autorités qui rigolent un petit peu, quand même. On sent un petit peu de rigolade. Et puis, au bout des autorités, 90 degrés à gauche, il passe en revue tous les pompiers, salue militaire devant leur fanion, tête droite. Au bout des pompiers, un quart de tour à gauche, il salue toutes les formations militaires des jeunes appelés, avec le fanion également, tête droite, salut militaire, toujours d'un rythme tout à fait régulier, soutenu. Au bout, encore 90 degrés à gauche, il salue cette fois toutes les formations militaires, chacune avec son fanion. Personne ne s'interpose. Il revient à l'endroit d'où il était rentré sur la place de Verdun et il repart très dignement par la même rue, complètement déserte, par laquelle il était arrivé. Et 30 secondes après, alors tout le monde est plié, bien entendu, tout le monde est plié de rire, militaires et civils, et 30 secondes après, la vraie cérémonie commence, parce que la voiture du préfet est là, suivie de celle du maire de Pau. C'était les cérémonies officielles du 14 juillet à Pau en 1997. Et en plus, c'est vrai.